Bon, ben, du coup, j'ai encore oublié de vous dire au revoir hier. Enfin, de vous dire bonne nuit. On est rentré après le Buffalo, puis en fait, on s'est douché, on s'est couché, on a dormi. Donc là, on s'est levé et j'en ai marre. Je sais pas comment me coiffer. Je me suis lavé les cheveux, finalement, on va à la mer. Donc voilà, j'ai mis mon maillot. On va aller à la mer, je pense, peut-être Palavas. Je sais pas du tout, je vous dirai. Et puis après, on va manger. Puis cet après-midi, David et Kelly vont nous faire une petite visite. D'un endroit, d'un joli endroit normalement. Donc je vous filmerai tout ça et puis voilà, ben, on y go parce qu'ils m'attendent, ils sont partis, ils sont dans la voiture déjà. Bon, du coup, on s'est arrêté ben, à Palavas-les-Flots. On a trouvé un petit coin. Puis on va se mettre par là. On s'est débouché là. C'est très bien. En plus, Shine, il a pied jusqu'au bout là-bas. Non, mais regardez le crabe qu'on a trouvé en plein essai. Il n'est pas énorme. Il est trop moche. Eh ben, tu crois qu'on peut le toucher? Putain, en plus j'avais trouvé un gros dommage que j'avais pas le seau. Si j'aurais eu le seau, je l'aurais attrapé, j'aurais mis dans le seau. On l'aurait mangé. Il y a plein d'autres gros trucs. Elle est en train de chercher, j'ai dit ouh là là, qu'est-ce que je vais trouver par-ci par-là. Ils sont pas là, ils me regardent pas. Je vais pouvoir aller fouiller dans leur sac. Et là elle les regarde. Je vais aller grignoter le bonhomme là-bas. Elle fait sa vie. Eh oui, elle est partie. Bon, c'est bon, là on est rentré se doucher, se coiffer, se préparer et puis là on va aller manger un petit peu. On va aller manger et puis après on va aller voir ce qu'on va faire. Voilà, bon je vous montre pas mon repas, hein. Ça sert à rien, on va juste manger au McDo. Parce qu'on a le McDo juste à côté de l'hôtel, donc on va juste manger au McDo. Je sors là? Ouais. Et un coup rocher. Donc ça sert à rien que je vous montre mon repas, je vous montrerai cet après-midi, ce sera mieux. Non, j'ai dit j'allais pas vous filmer le McDo, mais Chahine il fait que des conneries. Encore une troisième? Une troisième? Ah là là. Bon du coup on a eu les trois petits verres là. Trois verres collection Coca. Et cartes, et puis Chahine il a pris un petit jeu. Un petit livre, un petit jeu. À la rencontre de Gustave Eiffel, ça parle de la tour Eiffel. Peut-être ça raconte son histoire, comment il a construit la tour Eiffel, je sais pas, on verra. Aujourd'hui, au temps de la création de la tour Eiffel, ouais. Voilà, j'ai eu la bonne idée, je les ai mis là, comme ça dans la voiture, ils se cassent pas. Non, voilà. Est-ce que je t'ai donné la glace? Qu'est-ce qu'on fait? Attends. On chante. Attends, deux secondes. Non. Mais regarde-moi. D'accord. Tu la glace c'est la vie. Allez vas-y. La glace c'est la vie. Arrête le monde. N'est pas honte, c'est mon hymne. Non mais oh. Hein? On est à Nîmes? Ouais on est à Nîmes ouais. Toujours il y avait écrit Nîmes sur le panneau. Et alors? Il y a une ville qui s'appelle Nîmes ici. N'importe quoi. Bon mais du coup on va aller à la Grand Motte. On va recommencer parce qu'on n'a jamais bu. Et on nous a dit que c'était très très beau, donc on va aller voir. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a des grands immeubles en forme d'igloo là, ou je sais pas quoi. En forme de motte.
Mais je n'ai jamais vu. Si, on a vu au loin hier. J'ai dit que c'était des glaciers. C'est là où tu m'as dit qu'on dirait des glaciers. Mais c'est là qu'on va. Waouh, si trop belle la grande motte. Là on est à la grande motte. J'espère que le vent. La grande mec, oui. Le vent il gêne pas. C'est joli ici. Hein. Salam alaikum. Ah, c'est joli, en fait c'est ça la grande motte, c'est les immeubles qui sont en forme de motte en fait. Je pense que c'est pour ça. Il y a du monde. Hein. Les mottes, comme les mottes de terre. Attendez parce qu'il y a du vent. Je vais essayer de cacher tout ça, il y a une grande roue là-bas. C'est trop joli ici, c'est la première fois que je viens ici. Ça a chuté ici, la mère, on a tout à l'heure. Vas-y, saute, Chahine, je te donne 100 euros. Vas-y, saute, je te donne 100 euros aussi. Je devrais ? Non. Ouais, moi je veux bien sauter, ça fait que... Plein de rochers. J'aime bien quand la mer elle arrive comme ça sur les rochers. Par contre, on s'est douché, on va être pégueux. Mais toi tu pèques déjà tout le temps, toute l'année. Ouais, c'est une croix belle, il est là, la grande motte. Il est là derrière la grande motte. C'est quoi, c'est ça l'immeuble? Bah non, c'est un des immeubles, la grande motte, mais c'est joli ici. Regardez-moi ça. C'est le port en fait, il y a beaucoup de bateaux. Ouais. Voilà. Ça me rappelle une fois, il y avait. Je vais raconter une anecdote. Une fois, il y avait. Attendez, je vais tourner l'appareil. Attendez. Une anecdote sur la tchou maman. Une fois, il y avait une prof. Elle a tchoumé comme ça. Et il y en a un derrière, il a crié à ta mort. Il s'est fait virer du cours. C'est pas, il a dit à tes soins, il a dit à ta mort. Parce qu'il a détesté. En plus, ce mec là, c'était le fils d'une prof de l'école. Il s'était fait virer. Descendu. Tissène, j'ai la culotte dans le cul, tu peux me l'enlever s'il te plaît? J'ai la culotte dans le cul. Non, attends, non, Tissène, elle sait où elle est la ficelle. Non, là, tu m'as pincé. Attends, il y a des gens derrière. Attendez, où? Il n'y a personne, attendez, je me l'enlève. Si, il y a une voiture. Ah, il y a une voiture. Non mais ça me gênait, ça me sciait en deux. Parce qu'en fait quand on était assis. Oh j'ai pas le bras. Bon allez. Mais je suis Hélène, c'est quoi ces cheveux? T'as vu mes cheveux comment ils sont devenus roux? Que t'es moche. C'est vrai que t'es moche quand même. Attendez, on va filmer. Regardez. En vrai, je vais faire une couleur à la rentrée. Dites-moi je fais quoi? Je fais brun, je refais rouge ou je laisse? Franchement, rouge. Ah ouais, ouais? Mais tu sais que tout le monde se foutait de ma gueule, tout le monde disait je ressemblais à une toxique. Mais pas rouge, 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 rouge cerise, tu sais, brune là. Ouais, mais le Crazy Color que j'ai acheté, il est bon. C'est trop rouge, mais faut prendre un autre. Parce que ça va faire plus beau, t'es encore plus clair. C'est beau ici. Attendez, on va faire des petites photos instagrammables. Ouais, parce que c'est trop beau. Je vais mettre sur un bateau là. Hein. Ça me fait bien. Tu t'assois et tout. Ouais, on a le droit d'aller. Mais non, on n'a pas le droit. Marcher là-dessus. Oui, là-dessus, oui, mais c'est tout. Bon, on va faire des petites photos. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, c'est bon, je sais où on va. 5e le désert. On va aller visiter là-bas et je crois qu'on va aller aussi visiter le pont du diable, quelque chose comme ça. On va voir. Là ça se couvre, alors je sais pas si c'est parce qu'on arrive dans les montagnes, parce que c'est dans les montagnes, mais ça se couvre, mais il fait chaud. Voilà, bon, là du coup on approche les montagnes. Ah oui, oh oui, bravo, c'est dans le direct. On approche les montagnes et ben je pense que c'est au milieu des montagnes, c'est comme un cul-de-sac je crois, si j'ai bien compris. Nous allons découvrir ça ensemble. Pourquoi tu rigoles? Cul qui tombe. Ah mais il y a du monde. Je pensais que c'était un petit peu perdu, mais je vois qu'il y a du monde. Bon, ah ouais. Ah ouais, regarde comment c'est, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais que c'était quelque chose de perdu, mais en fait non, pas du tout. Parce qu'on s'était un petit peu perdu dans la montagne, mais on découvre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a du monde. Oh, ah ouais. Oh ouais, on aurait pu faire du canoë. Regardez les canoës. Ah, c'est trop beau. Ah ouais, en fait, il y a une plage là-bas. C'est pour ça qu'il y a marqué parking complet. Ah ouais, c'est comme un lac. Ouais, c'est super beau. Ouais, ça fait beau comme ça. On se croit, tu sais, dans les films américains, là. Il y en a même qui se baignent.
Bon, on va découvrir la suite. Regardez, c'est vraiment comme la province, hein. Ce village là, au milieu des montagnes, et on monte. T'es pas habité ici? Visité, oui, mais habité, non. Et toi? J'aime la ville. Ah. Toi, t'aimes trop la grande ville. Mais c'est joli, c'est joli. T'habites ici, je crois que tu montes sur la montagne, tu sautes. Tu te suicides. Par contre, ouais, les chemins, ils sont très, très étroits. On a rejoint Kelly. Re-coucou. Voilà. C'est super mignon. On va monter la petite ruelle là-bas, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux passer par là, par là. Tu peux passer par l'église. Ok. Il y a un petit jardin à l'arrière, c'est joli. Hein. J'ai changé mes chaussures hein, parce que j'étais en talon. Donc en basket, c'est très bien. Regarde, il y a la boutique préférée d'Aaron là en face, avec toutes les pierres. Celle-ci là. Minérales, ouais. Il adore ça. Regardez les rues comment elles sont. Attendez, c'est... je crois que c'est trouble. Attendez, je sais pas si c'est trouble en fait. C'est super mignon. Ça fait un peu, c'est très provençal et ça fait en même temps médiéval un peu. Bon du coup là on a... Oh la tête que j'ai, on dirait que j'ai pas dormi, ça fait 6 ans. On a terminé la visite de... Comment ça s'appelle ? Cinquième le désert qui porte bien son nom. Voilà, ouais. Et ben du coup là, on a atterri. Non mais c'est bondé de monde, mais c'est isolé quoi. Tiens, c'est... Ouais, c'est vrai. Son charme. Ouais. Du coup, on est à la pataterie. On va se faire un petit festin, pataterie. Ils disent un super cadeau à gagner, j'ai intérêt de gagner un menu. Ah, tu te rappelles, on avait fait des dessins à mamie? On n'a jamais gagné. Super beau dessin, on n'a pas gagné. Moi aussi, je vais colorier. C'est où? Derrière. C'est derrière. Moi aussi, je vais faire un dessin. Allez, je vais faire une patate, je vais me dessiner. Il faut tout le monde. Regardez, Tissène, elle a fait une belle patate. Ouais, je vais gagner 1 000 000 d'euros. Est-ce qu'elle est jolie, sa patate? Dites-nous en commentaire si sa patate elle est jolie et si elle lui ressemble surtout. Ouais, ça m'a sonné. Voilà, alors ça m'a chahine. Ah, ça m'a sonné. Ouais, c'est. Elle est où ta patate à toi? Maman. T'as pas fait de patate? Elle n'existe pas la mienne. Personne n'a fait de patate encore. Non. Tu veux ça? Voilà. Regardez-moi ça. Regardez les assiettes, comment elles sont bien complètes. Je crois que le pire c'est Kelly. Ça coulait tout quoi. Ouais. Ah, c'est un camembert carrément. Ah ouais, un camembert. Les petits ont. Les assiettes elles sont avec le pain qui. Allez, bon appétit les amis. Voilà, on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Pourquoi toujours tu me casses toi? Je rêve. Bon ben voilà, on a bien mangé là, la pataterie, on est rempli dans le ventre. Donc là, Kelly et David ils sont rentrés parce qu'ils devaient aller coucher les enfants. Ils commencent à se faire tard, il est 11h. Ben nous, vu qu'il est 11h, on va essayer d'aller voir à Pavalas ou ouais, voir s'il y a quelque chose, s'il y a du monde. Parce qu'au bord des plages, en général, le soir, ça se couche tard. Prenez la 5e sortie. Oui, ah, c'est trompé, c'est l'autre côté. Pourquoi il nous fait aller demi-tour celui-là? Bon, je vais suivre le GPS parce que sinon on va se perdre. Allez, tout à l'heure. Bon, du coup, on est passé devant Luna Park. C'était blindé de monde. Shine, il y a du monde. On a Palavas. Je sais pas si j'avais dit Palavas tout à l'heure ou Pavalas. Palavas les flots. Et il y a du monde. Hein. On a voulu aller à. Arrête de crier. On a voulu aller à. Comment ça s'appelle? Luna Park. Luna Park, mais c'est trop blindé en fait. Il n'y a pas de place pour se garer. Bon, du coup, on se contentera du port. On va voir. Oui, c'est blindé ici. C'est partout blindé en fait. Ici, c'est blindé. C'est pire qu'à. Je pense que c'est pire qu'à Rosas. Ouais. Ouais, voilà. Je sors pas trop l'appareil photo parce qu'il y a trop de monde et on sait jamais. Les gens. Ils vont pas, peut-être pas vouloir être filmés donc voilà.
Bon allez, on a trouvé une petite place pour aller à Luna Park. Voilà, du coup on va passer vite fait voir comment ça se passe ici, parce qu'on a fait tous les Luna Park de là où on était, donc ben, on va passer à celui-là aussi. Content? Chez Etisen, t'es contente? Qui sont heureux ces gosses. Un peu plus de. Il est haut, hein? Il est plus haut que l'île de l'Europe. Tu l'aimes ce manège? Ton manège préféré? Il s'est mis devant, hein? Il s'est mis devant, Jacqueline, hein? Regardez comment ils ont peur. Et la petite là-bas, comment elle a peur. La petite, elle a peur, hein. Ah, mais ça, c'est un film de guerre, je crois. Je sais pas. Je sais pas, regarde là-bas. Ah, elle s'est mis devant, ça m'a fait le zoom sur elle. Voilà, il faut se calmer là, tout le monde arrive devant moi, il faut se calmer les enfants, hein, faut se calmer. Hein. Voilà, on est rentré à l'hôtel, je me suis démaquillée, j'ai les yeux rouges parce que je me suis démaquillée avec ça là, les lingettes. Franchement, à chaque fois que je me démaquille avec les lingettes, elles sont tellement arrêcheuses que j'ai la gueule rouge là. Et ben voilà, du coup la journée est terminée, on va aller se coucher. Demain, je sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas demain on rentre. Oui. Demain on rentre. Voilà. Mais attendant, je vous dis bonne nuit parce que je suis KO. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 1h30. 1h30. Allez, bonne nuit. Bonjour. When the strobe hits. Bet you're looking for something new.